Voilà, bonjour à toutes et à tous. Donc aujourd'hui on est dans les vignes. Je suis en train de relever les fils donc avec l'enjambeur, le Babar 808. Et donc des relèves fils qu'on a fait artisanalement. Donc le principe va être de relever les fils pour que lorsqu'on va après la taille tirer le bois, ce sera bien plus facile sans les fils à couleur. On va relever les fils à couleur qui sont ici et qui tiennent en fait la vigne pendant la pousse de la végétation. Donc ces fils, pendant l'hiver, on va les baisser. Et au lieu de les tirer à la main qui est un peu dur, on va les lever avec l'enjambeur. Et donc les rouleaux vont mettre les fils à couleur en haut. Et ensuite, à la main, on aura juste à les descendre. Voilà, c'est bien plus facile. Et donc les fils sont attachés par des agrafes biodégradables que l'on va casser lorsque on va tirer dessus. Donc c'est des agrafes qui sont en plastique biodégradable et qui vont simplement casser lorsqu'on va passer avec les rouleaux. Bon, allez, je vous emmène en cabine, c'est parti. Donc en cabine, on va retrouver nos deux manettes ici. Donc si je la tire vers moi, on va lever le vérin. La repousse, il y a un champ, ça va le baisser. C'est un tracteur assez confortable puisqu'il a une boîte hydrostatique, c'est-à-dire que avec des moteurs hydrauliques, on va faire avancer plus ou moins vite le tracteur. Donc il n'y a pas de vitesse à passer, c'est tout linéaire, juste avec un levier. Donc les rouleaux, voilà, ce sont ceux-là. Donc ça, c'est fait artisanalement. Et en fait, à l'aide du vérin, on va venir les lever pour prendre les fils à couleur comme vous avez pu voir dans les images. Donc pour ça, il faut que j'ai les manettes en cabine. On va les prendre, voilà, en levant comme ça. Donc on va lever les fils à couleur ici à peu près. Il faut faire attention à ne pas prendre le fil à baguette parce que sinon on arrache tout, on arrache les pieds de vigne également. Donc ça, faut être très vigilant là-dessus. Donc il va pas falloir qu'on aille trop loin au bout, c'est-à-dire qu'il faut qu'on pose les fils à couleur à environ 7 pieds de vigne du piquet de bout. Si
Sinon, on craint d'étendre les fils à colleur ou alors casser le piqué carrément. Et puis, on peut aussi casser le fil de la mare. Donc, pour ça, il faut être très vigilant. Faut pas regarder ailleurs quand on arrive au bout, parce que ça peut arriver qu'on oublie de rebaisser les rouleaux. Et là, ça peut faire un peu de dégâts.